studio avec la dernière pièce du Snyder Cut par Prime. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est clôture chez Prime. La saga, c'est justement. Vrai. Snyder. Statut limité à 100 pièces en version bonus. Bonus, eh bien, ça va être les petits mutants qui sont au pied de Bat-Tank. Si vous vous dites, les gars, c'est pas dans le Snyder Cut, si, à la fin du film, on peut voir le Batman. C'est une scène un peu post-générique, on va dire ça. Ouais. Comme ça. Non, clôture la fin où la musique est épique et ils sont tous là en train de vivre leur vie. Là. Ouais. Voilà. Et justement, qui clôture justement ce Bat-Tank qu'on peut retrouver dans DK3 avec les mutants qu'on retrouve dans DK3. Donc il a fait toute une grosse référence à Frank Miller et DK3. Bah, de toute façon, ce Batman de Batman Fleck est clairement du Frank Miller. Oui. Alors, la statue, montage de merde, sincèrement, c'est deux grosses boîtes, mais en plus, les chenilles, bon, si vous êtes bien attentifs, vous allez même voir que vous dites c'est bizarre, elles sont pas hyper collées. Parce qu'en fait, il faut bien chauffer le bazar. Il faut soulever le Bat-Tank, mettre. En fait, monter pour vous dire les premières parties de chenilles, mettre l'arrière à chaque fois en même temps. Hein. Donc en fait, il faut être vite. Et après, mettre le haut. Donc c'est très compliqué à monter. Enfin, compliqué, c'est complexe. Pas compliqué, c'est complexe. Il faut être. J'ai dû faire ça avec Stan, parce qu'il va être tout seul, j'arriverai pas. Il avait raison. Et après, elle a posé comme ça. C'est une grosse galette. Hein. On est clairement sur presque 1 mètre de galette, mais c'est pas grave. Donc c'est très peu facilement casable. Mais voir Batman comme ça, quand tu vois que Toy c'est ça et que Tier c'est ça, tu te dis, c'est quoi son problème? Mais dans quelle rue de Gotham tu passes avec ça? Réellement, où tu te gares avec ça? Comment tu ranges ça, t'as pas de câble? C'est tout ça. À part s'il le cache dans l'océan. Bah, son gars, lui, tu sais, de l'eau, il s'en fout. Ça, en fait, son pote, c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable, maintenant, c'est Snyder encore. Il a fait, oh, vas-y. Alors, du coup, c'est quoi cette échelle? Un 10, non, divisé en 2, un 20ème. Un 20ème? Non. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai eu en main les trois adultes du Brachiosaur à 20ème de chez Hero Studio Jurassic Park et ça c'est Ellie. Donc c'est du 40ème. Possible. Si. Moi j'ai en tête qu'ils font cette taille là. Je l'ai eu en main, genre il y a une heure et demie je l'avais en main, je l'ai sorti etc. Ils sont cette taille là. Donc tu divises un peu par deux, c'est du 40ème du coup. Plus ou moins. D'après moi. Ouais. 1/40. Tranquille. Mais alors, surtout qu'en plus malheureusement, à part de l'humain, tu peux pas comparer parce que le reste c'est tellement lourd que ça écrase la route, donc il n'y a pas de route, il n'y a plus rien. Gotham, s'il y avait une épicerie, elle est morte. Mais bon, on va commencer par le stock. Très intéressant puisqu'on a à chaque fois, à chaque morceau, vous avez une petite une référence du coup à un bout de métal sans plus. Le logo de la Justice League et le logo Batman en alternance. Donc classe, lourd, métal, comme l'aime bien Snyder. Ah ouais. Ensuite, on a un stock bêtement, mais ce qui est bien, c'est. Roche. Mais pas de la roche genre même pas du béton, on dirait de la terre boueuse ou tu sais les quais de Gotham où c'est pratiquement désert parce que ça a été éradiqué etc. Quelques bouts de roche par-ci par-là et alors ce qui est vraiment cool qui fait vraiment l'effet où ils sont ensemble ces débutants. Ils sont même pas aimantés. Bon, en fait, tu tapes comme tu veux. Ouais. Et donc en fait vous savez mettre les mutants qui sont méga bien faits, ils sont tout petits mais la finition de peinture est géniale. On retrouve du coup ce design qui n'est pas dans le film en plus, c'est ça qui est marrant. Qui n'est pas dans le film, mais c'est le design de Frank Miller. C'est hyper assumé, mais c'est marrant de se dire d'avoir fait ça comme ça, alors qu'on ne les voit pas du tout dans le film. Si, hein. Ouais. Ouais, si, ils sont là. Sérieux? Ouais. Ok. D'accord. Dans la même scène. Tu vois, et t'as les mutos là. Ah ouais, tu les vois. Je sais, je me rappelle qu'on les voit, mais on les voit pas, genre clairement, en un, tu vois. C'est dommage parce que j'aurais trouvé de la scène dans BVS au moment où il y a les mecs, bah, soit écoute d'avoir des mutants à la place, tu vois. Même si c'est pas le même film, mais tu vois, ou qu'au début du film, ça soit contre des mutants et que tu vois la fameuse scène où il tabasse le chef des mutants, tu sais, dans la boue comme ça, il fait genre, qu'est-ce qu'il y a, il crache dessus. Wow. Après, c'est beaucoup plus. Ensuite, Batman, et ben c'est Ben Affleck. C'est sublime. Mais alors, je veux pas vous mentir, c'est la Kotobukiya un dixième retravaillé en petite résine. C'est le même scan. Je te jure, à part la cape, c'est le même scan. Ouais. C'est exactement le même. C'est vrai. Après, mais on reconnaît, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive quand même à reconnaître les traits de Ben Affleck. Ouais, mais par contre, ils ont pas parlé les yeux. T'es assez gris. Franchement, ça c'est déjà Warhammer, tu fais pas les yeux. T'es un bonhomme, tu fais pas les yeux. Sinon, ça finit avec des yeux comme ça, tout jaune. Ah, tu te montres sous drogue. Alors ensuite, on a la pièce plus importante du diorama, le Bat-Tank. Le Bat-Tank. Il est exceptionnel. On a une tête de chauve-souris un peu, encore une fois la banane de métal, je trouve beaucoup de banane de métal dans l'idée, même si c'est du Frank Miller. Les canons à l'avant, les phares bleus, toute la colonne vertébrale avec vraiment toutes ces lignes de métal un peu usées. Et il y a eu, ils ont dû faire ça avec l'aérographe, tout boueux. Ils ont mis de la, pas trop, mais tu as toutes des asperges de boue partout, au-dessus, en dessous, etc. Et beaucoup forcément sur les chenilles et la machinerie. On retrouve le travail sur la Justice Buster et les Transformers dessus, tu vois, ouais. Je trouve. C'est magnifique. C'est incroyable, franchement c'est un travail vraiment... cool,
Ah, c'est simple, on va pas se mentir. Mais ça fait le taf. Mais ça fait le taf. Light up, trois grosses piles qui coûtent la blade. Merci, hein. Ouais. Voilà. LR20. 2,21 gigawatts, ma gueule. Franchement, trois piles comme ça. En plus, j'ai acheté celui en dessous parce que Stan me dit, ouais, je pense cette taille-là. J'ai acheté pour rien. J'ai acheté les plus grosses du marché. Voilà. Trois dedans. Un bouton à l'arrière parce que tout est dans le coffrage. Et une fois que vous appuyez sur le bouton, bam. Et ça pète. Ça pète. Voilà. Ça apporte un plus nécessaire puisque là, on est dans l'ambiance. On a, franchement, tu fais une petite fontaine avec un peu de pluie dessus. Après, dans un moment, ta statue, il n'y a plus de résine parce qu'il n'y a plus dessus, l'érosion. Mais là, les simples phares, les doubles phares et le light-up qui est situé en dessous des rouages pour éclairer le bas, parfait. Franchement, mon seul regret, j'aurais aimé que le réacteur arrière soit lumineux en bleu et qu'il y ait une lumière d'ambiance dans la capsule pour que ça fasse vraiment que tu sais, il est lumineux et qu'il sorte comme ça, tu vois. C'est juste ça qui manque. Parce que si tu éteins complètement, la lumière est un peu pauvre. Il faut mettre quand même quelques poils lumineux, un peu spot. Mais réellement, light up parfait, statue parfaite. Faut aimer, quoi. Moi, je n'allais pas acheter ça parce que c'est pas ma cam, finalement. Je suis fan de Batman. Justice Buster, j'étais client. J'ai toujours pas déballé chez moi, ça va arriver. Parce que c'est un Justice Buster. Mais toi qui es fan de Frank Miller et qui adore, ben, je trouve que c'est un produit qui te parle beaucoup plus. Et du coup, c'est vrai, ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses vraiment au final? Là, maintenant, parce que tu l'avais à peine jamais vu lumineux à part maintenant, tu la vois aux belles lumières, qu'est-ce que t'en penses? Sublime, mais c'est un caprice. Ouais, ouais, c'est un gros caprice. Combien vaut ce truc-là? 2450. Voilà. Réellement, pour le poids de la résine, on est comme du XM Studio, c'est lourd, c'est insoulevable, mais personnellement, pour moi, ça vaut 1850€. Voilà, 1850€, c'est bien, parce qu'ils avaient fait à l'époque une Batmobile Arkham là, qui était déjà. À l'époque, je sais que c'était moins cher que ça, mais ça nous paraissait cher. Une grosse Arkham qui se pliait et qui se déployait là. Mais je sais qu'on n'a pas commandé parce que c'était beaucoup trop cher. À l'époque, on commençait Prime One et que. Elle disparut du marché celle-là, je pensais peut-être jamais sortir. Ça se pourrait. Celle-là, on pense. Je me rappelle, on a eu une discussion. J'aurais dit. Et puis j'ai fait, ouais, bro, machin, ça a pris. Et on s'est dit, tu sais quoi, sur la Cobra, elle sortira jamais, ils vont l'annuler. S'ils annulent Pose Navy. S'ils annulent Pose Navy, ils vont annuler ça. Bon, on s'est fait enculer. Après, ça va. On s'en fout, on veut pas vous mentir. On a fait venir une seule pour review, pour commande client. Et si vous voulez, par contre, elle est recommandable. Elle est dispo au magasin au même prix, il n'y a pas de souci. Mais on savait très bien que c'était vraiment un caprice et que c'était pour commande client. On n'allait pas en prendre 10 parce que. Même moi, en tant que questionneur, je t'avoue, je sais pas comment je la mettrais. C'est une statue qui est beaucoup trop. Regarde, elle prend notre double calax. Donc, tu as intérêt à avoir de la profondeur. Ou, comme disait mon client, il a acheté quoi qui est venu hier? Il m'a dit je vais mettre ça pour mettre je sais plus quoi. Un client One Piece Esta qui va acheter pour la barbe blanche. Et ben juste une petite table ou une petite stèle pour la mettre. Mais pas trop grand, pas trop, parce que celle-là trop c'est pas bien. Tu sais genre, t'es en train de lire ton comics et à côté de toi t'as le gros bâton lumineux. Ça s'appelle, tu vois. Ouais. Je sais pas, moi je trouve ça. Parce que mettre dans une vitrine directement, elle fait même tâche parce que dans tu vois, toute l'unité entière qui est emportée, c'est peut-être sa mère. Et ben c'est ça n'irait pas, t'as ça, puis d'un coup elle descendrait, elle le montrait. Tu vois, tu n'as pas de. Elle est beaucoup trop basse, c'est beaucoup trop grosse comme galette pour aller avec ce genre de statue. Donc il faut bien la placer celle-là, c'est très compliqué à placer. Incotable, comme d'habitude. 2450€, etc. Un peu trop cher, mais Prime maintenant a le leadership, donc ils s'en foutent réellement. Vous n'êtes pas content, n'achetez pas, vous acheterez plus cher. Voilà. Et surtout maintenant, clairement, on ne précommande pas, ils disent aucun problème, on fait 100 pièces au monde. Donc 100 personnes au monde qui ont ça. C'est pas grand monde. Et puis, comme j'ai dit, pour moi, ça reste un caprice. Et quand ils l'ont fait. Ils voulaient surfer sur la vague Snyder Cut. La preuve, personne n'a commandé, mais ça reste un énorme caprice de quelqu'un. Et je pense que à l'heure actuelle, beaucoup de pièces, ça reste des caprices. Bah, sauf quand on descend sur Sideshow, les prix plus bas, on va dire. En tout 2000, c'est plus des caprices. C'est, je sais pas, le fun. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez un commentaire à mettre, n'hésitez pas à me commenter cette vidéo. Tout est du coup dans la description de la vidéo. Vous avez le lien du site, le lien de la page Facebook, le lien, etc. La vidéo est du coup dispo sur YouTube. Vous avez son extrait sur TikTok si vous voulez. C'est Toys Painted Team où Kevin nous fait des vidéos régulièrement de tout le showroom et même à l'avance, un peu collector, un peu exclusif si vous le souhaitez. Et donc voilà. Merci à vous tous. On vous aime énormément et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.